Bonjour, excusez-moi de te déranger. C'est quoi que je dois dire déjà? Ah oui, je trouvais que tu avais des vêtements, genre une robe verte, comme la feuille là. Ok. Et du coup, comme je trouvais ça joli, ben, je voulais t'offrir une feuille. Voilà. Mais bon, après, elle est un peu marron, elle est pas verte comme ta robe, mais je me suis dit que ça pourrait te faire plaisir. C'est très gentil. Et voilà, tu lis quoi? The Echo Chamber. C'est de l'espagnol? Anglais. Ah oui, d'accord. Donc du coup, c'est écrit en espagnol? C'est écrit en anglais. Ah oui, non, oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est pas pareil, anglais, espagnol, oui. Et tu bois du coca? Ok. C'est marrant parce que moi j'en ai bu hier du coca et du coup c'est assez marrant parce que c'est bon et donc je comprends qu'on puisse en boire aussi. Tu veux t'asseoir? T'as l'air stressé. Oui, pourquoi pas, oui. Bon après, aïe, ah non, j'ai cru que je m'étais assis sur une punaise et tu t'appelles comment? Ah d'accord, moi je m'appelle Johan. Enchanté. Enchanté. Attends, non, je préfère la main gauche. Voilà. Okay. Parce que je suis droitier, du coup, je préfère serrer avec la main gauche. Ok. Voilà. Et tu fais quoi dans la vie? Actuellement, rien, je cherche un emploi. Un emploi dans... Un emploi dans le monde du travail? Ouais, téléconseillère, tout ça. D'accord. Tu conseilles sur les télés, c'est ça, pour acheter des télés? Non, juste... Je suis la personne qu'on appelle en cas de dépannage, ce genre de choses. La dernière fois, c'était de l'informatique. Ah, les pannes, ah oui, parce que moi, j'ai un ami, il a eu une panne avec sa copine. Mm-hmm. Et il a aussi appelé un dépanneur, mais c'était pas pareil, non? Ça dépend, en fait, ça dépend pour quelle entreprise tu travailles. En fait. Ah, ouais. C'est l'idée, on appelle, on dépanne. C'est pas... Je crois que c'était pour l'entreprise Durex. Non, tu connais pas? Ça, ouais. C'était pas moi. Et t'aimes du coup lire dans des parcs? Ouais. Ouais. J'aime bien ça. Ça fait une sortie le samedi, c'est bien. Ouais. Moi j'aime bien les parcs parce que ça a 4 lettres et mon prénom il en a 5. Du coup c'est presque pareil. C'est pour ça que j'aime bien les parcs. Et voilà. Donc là il te reste beaucoup de livres. Oui, il me reste beaucoup à lire. D'accord. Très bien. Alors moi je suis capotier. C'est en fait je distribue, je livre des préservatifs à des gens voilà, c'est qui en ont besoin. D'accord, je savais pas que ça existait comme métier. Voilà. Si tu veux, j'ai un échantillon si tu veux. Non. Bon, merci. OK. Et d'accord. En fait, j'allais au cinéma. Ok. Mais est-ce que tu as un mail ou un MSN ou... Alors, j'ai pas de MSN, j'ai un numéro de téléphone si tu veux. D'accord, ben, ça marche. Oui, il faut le rentrer dans le téléphone, ça. Alors. Tu vas voir quoi au cinéma? Je vais voir Titanic. Ah ouais? Ouais. C'est au cinéma ou quoi? Ouais. Ok. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est sorti, mais. Mais comme ça a été un gros succès, ils le ressortent. Mais okay. T'as un film préféré, toi? J'en ai beaucoup. Interstellar. Ah oui, Interstellar. Blindside. C'est, ça doit être mes top 2. D'accord. Interstellar avec DiCaprio, non? Non, c'est Matt Damon, je crois. Alors, je sais pas. Ah, et tu t'appelles comment Alors, tiens, je te laisse noter. Parce que je connais pas trop les chiffres. Il n'y a pas de souci, je vais modifier mon prénom. Ah oui, ah mince. Merci beaucoup. Bah, pas de souci. Eh ben, merci on pour pourra. Ah, bah, avec grand plaisir, je t'en prends soin. Parce que. J'en prendrai soin, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais. Bon. Ben, au revoir. Au revoir. Tu gardes la paix.
Tiens. Merci, c'est gentil. Non, je rigole. Et alors, Interstellar, c'est avec Matthew McConaughey. McConaughey. Oui. Et pas Matt Damon. Oui. Matt Damon, c'est Seul sur Mars. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, ouais. En fait, je me disais, est-ce que on peut engager une conversation avec une inconnue grâce à la feuille, en fait. Ok. Tu vois, c'est un peu une petite expérience que je me suis dit. T'as la grâce à part. Non, vraiment, je suis très touché par le fait que t'es pas été en mode, oula, il est chelou lui. T'as été hyper bienveillante et tout, et ça, vraiment. Ok. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça, qui sont très nerveux quand ils abordent des inconnus. Oui, et c'est hyper agréable que toi, tu sois vraiment bienveillante et que tu peux t'asseoir, t'as l'air nerveux. Enfin, moi, d'un côté, j'étais mal, j'étais, oh, elle est adorable, je vais arrêter de. Tu vois, donc vraiment, tiens, je t'offre une autre feuille pour te remercier. Tiens. Mais c'est très gentil. Voilà. Bon, ben écoute. Oh check, hein. C'est pas du tout le métier que tu m'as inventé. Le capotier? Ah ouais, j'y ai cru. En vrai, ça existe. Ça existe vraiment, ouais. J'ai vu ça sur Facebook. J'y ai cru. Hein. Ouais, ouais. Ça existe vraiment, ouais. C'est ça, exactement. Non, on se fait des petits défis comme ça avec des potes. Mais, okay. Mais les rencontres, c'est sont sincères. Les interactions sont un peu, voilà. Oui, mais mais en tout cas, c'est qu'on sait que ça peut provoquer des bonnes rencontres. Okay. Et ça, c'est hyper cool. Bah, c'est... Voilà. Moi, je trouve ça intéressant. Bon, bah, super. Bon, merci, toi aussi.